Justice, pilier important de l'état de droit. La cérémonie officielle de clôture de l'année judiciaire 2017 et à la fois l'ouverture officielle de l'année judiciaire 2018 a été jumelée hier aux prestations de serment du nouveau président de la Cour de cassation auprès de la Cour suprême, le juge Raketamanga Odette Clémentine, et du nouveau procureur général auprès de la Cour d'appel d'Antananarivo, le juge Ndjiem Cesa Charles. Les deux juges ont fait le serment d'assurer les fonctions et responsabilités qui leur incombent dans le strict respect de la loi, la recherche de la vérité et de la justice, tout en gardant le secret des instructions et en se basant sur les codes de la déontologie. Le président Erazon Armand Pian a souligné l'importance du respect des codes de déontologie qui régissent les fonctions de juge. La justice constitue un des piliers importants de la préservation de l'état de droit et la souveraineté de l'État. Il est primordial d'appliquer les lois existantes et de les faire respecter par tous les citoyens afin de parvenir à une paix sociale durable et surtout de restituer la dignité des juges et de la justice malgache. Les juges sont des personnalités modèles pour la société. Cela implique l'humilité et la compétence pour être crédible aux yeux de la population, a affirmé le président Erazon Armand Pian. Il a rajouté que les juges doivent conjuguer leurs efforts avec la vision du Fisanjatan ou émergence et renaissance afin de mettre un terme à la pauvreté et à toutes les formes d'inégalité et d'injustice dans ce pays.